kill pour donner l'avantage. Wolfmeister est bloqué par une smoke. Ça traverse pour le connecteur. Oh, Wolfmeister pour le premier kill bien dégueu. La première dinguerie de la soirée, Krigy qui prend le revenge sur Rain. Attention tout de même à Wolfmeister qui, à travers la smoke, un petit peu excentré. Du coup, il tombe, Krigy encore une fois qui fait parler Loglock. Ça fonctionne pour Mosport. Robs qui est bien positionné. On a la visu sur la base CT. Il reste plus que Nico et Kerrigan qui va se jouer au niveau du CPL. Nico qui va scalper Oscar, offrant un équilibre numérique. Mais Krigy qui a toujours pas posé. Ça fait tout simplement. Krigy encore une fois pour un nouveau kill. Il ne sera plus que Robs maintenant en 1v1. Et attention à ce joueur, il avait déjà impressionné avec face. Seiko. Deuxième kill, Robs avec un HP, un petit peu de réussite, 3v3, équilibre numérique, il faut poser la bombe, il reste plus que 8 secondes, pas le temps de fake. On joue ensemble, Kerrigan, le leader danois qui sort de sa boîte, Rain qui l'accompagne, il reste plus que Sonny, le finlandais. Repéré, pas complètement, non pas repéré. Là oui. Ah oui. Oh attention, le double qui part très rapidement, c'est Nico qui tombe instantanément, et le clutch remporté par le finlandais. Et bien voilà, la première action de cette soirée, elle est signée Sonny, meilleur joueur. Ouais c'est ça, oui. Guardian et Rain, ils veulent s'être synchronisés, malheureusement Robs est tout aussi vigilant. On lui fait pas. Ouais, et attention à Guardian, maintenant doit garder la ligne, ou plutôt resserrer au niveau de la rampe, puisqu'il est bien seul sur le BPA, c'est le dernier rempart phase sur ce site. Oscar qui a passé sa surprendre par Kerrigan, Sonny qui court, et le unscope pour conclure pour Monsieur Oscar, 10 à 1. C'est là où je le préfère vraiment. Enfin, quand il accompagne, il est juste derrière, il sanctionne à tout va, c'est ce qu'il fait. Alors, attention à Wolfmeister, hein, parce qu'il tente avec l'AK, il va loin. Astico qui est présent et Oscar qui est incognito. Rain qui repère Sonny, Oscar justement qui fait tomber Wolfmeister, offre une AK. Sonny qui va d'ailleurs dans ce sens, double kill pour Mosport, il reste plus que 45 secondes, on est totalement lu. Le backup qui est enclenché, ça manque de stuff pour passer, il n'y en a plus d'ailleurs, il n'y a plus qu'une incendiaire sur Nico. Guardian qui fait pareil à longue distance, c'est Siku qui tombe. Attention à la carte, récupéré facilement. 4 contre 3, Robs qui se fait oublier, hein. Qui veut vraiment pas se montrer. On l'imagine pas pour l'instant. Alors, ça y est, il a fait un kill, Guardian va revenge, il est repéré aussi, 3v2. Toujours un kill d'avance, Kerrigan qui veut couper, qui aimerait bien surprendre, bien entendu. Et il est repéré. On tout de même le kill, et Sonny encore une fois qui... nous délègue d'une petite crasse, et Oscar pour conclure sur cette fameuse AK perdue par Wolfmeister, oui. Et le reset. Bien sûr. Pour lui, il se... en fait, il vient simplement jouer teamplay. Hein. Avec lui, il a repéré. C'est Oscar qui passe devant avec son snipe. La flash qui donne rien, et on a la deuxième info. Et surtout, Wolfmeister va tellement penser que Robs est encore spawn CT. C'est pour ça qu'Oscar n'arrive pas à s'en premier. Oh, il l'a imaginé! Oh, le spray transfert qui fonctionne! Alors, oui, on a Wolfmeister qui cale des crasses, qui met des dingueries. Mais Oscar est tellement rapide et pas vraiment synchronisé avec. Ceci, hein. Donc, tiens, regarde. Voilà, j'en donne une. Double AK. Non, pas de kit. Hein. Ouais, peut-être faire tomber. Il cherche un peu moins lucide, hein. À moins flash. Bon, ça continue pré-shot. Ouais, il essaie de. Ça marche, ça a presque fonctionné, hein, le bait de Stico là, pré-shot. Il faut repartir maintenant pour Stico. Garder l'AK, important. Et à pouvoir la sauvegarder. Bon, par contre, il faudra absolument nerf le CZ de Stico. Hein, parce que ça saute, sauf que ça ne vient pas. Et Wolfmeister a pris un petit Kinder au passage. Il avait le spawn pour le snipe, est-ce qu'il va le garder? Mais en fait je pense qu'ils veulent le lancer, et si tu le drops ils ont peur d'être entendus par un mec qui est carré. Oscar est là, il touche simplement. Ouais, il y a un autre CT hein, pour défendre. C'est Stico justement qui se repositionne, le backup est très rapide, les 5 CT sont là. Regarde, il doute absolument pas, Stico qui élimine. Derrière le contre-stuff est excellent, Wolfmeister qui équilibre les forces en présence. Le bon move de Krigy, Rain qui change un 1 pour 1, Krigy qui est intenable. Krigy le triple kill, il fait le café. Il a la bombe, il reste plus que Nico qui doit forcer des 5, qui est repéré. Krigy qui survole sur un petit nuage. Le Hollandais